Monsieur le Président, nous, porte-parole et organisateurs de la Manif pour tous, rassemblés d'une seule voix, avec ces centaines de milliers de citoyens présents sur le Champ de Mars en ce dimanche 13 janvier 2013, nous nous adressons solennellement à vous pour solliciter l'écoute et la compréhension que le peuple de France vous réclame depuis maintenant plus de 4 mois. Vous, président de la République, ne pouvez ignorer cette foule considérable et diverse qui se lève spontanément et pacifiquement contre le projet de loi mariage et adoption pour tous, instaurant une nouvelle filiation issue de 2 personnes de même sexe. Vous, président de la République, ne pouvez nier la mobilisation des élus de la nation, des élus locaux et des maires, de droite, de gauche, sans étiquette, tous gardiens du mariage civil qui garantit la filiation de chacun. Vous, président de la République, ne pouvez rester sourd à la parole de toutes ces personnes homosexuelles qui veulent promouvoir le bien commun, sans se laisser dicter leur opinion par leurs préférences sexuelles ou sous la pression de lobbies ultra-minoritaires. Vous, président de la République, ne pouvez rester immobile, face aux inquiétudes grandissantes des Français qui découvrent la vraie nature du mariage pour tous. Antoine Renard. Le mariage pour tous, c'est la négation juridique de la réalité la plus élémentaire de notre humanité, constituée homme et femme. Seule union naturellement apte à engendrer l'être humain. Vous, président de la République, serez-vous celui qui décrétera que l'on peut naître sans homme ou sans femme? Le mariage pour tous, c'est l'inscription dans notre droit d'une discrimination fondamentale entre les êtres humains, ceux qui seront nés d'un père et d'une mère, ceux qui seront légalement nés de 2 pères, et ceux qui seront légalement nés de 2 mères. Vous, président de la République, serez-vous celui qui abolira l'égalité de naissance entre les enfants? Non. C'est où? Le mariage pour tous. Le mariage pour tous, c'est aussi, à terme, l'effacement des hommes réduits à n'être que des géniteurs anonymes, et l'asservissement des femmes poussées à louer leur ventre. Vous, président de la République, serez-vous celui qui fondera juridiquement l'abolition de la parité père-mère dans l'éducation d'un enfant? Vous, président de la République, ne pouvez risquer d'aggraver encore davantage la précarité familiale au mépris du principe de précaution. À toi, Laurence. On en est où? Là. Là. On a des choses à lui dire. Vous, président. Vous, président de la République, du dialogue, de la concertation, de la démocratie participative, vous ne pouvez refuser plus longtemps la demande croissante de débats, exempte de toute homophobie, qui s'exprime dans tout le pays à travers le foisonnement des réunions citoyennes. Vous, président de la République, vous avez devant vous, ici au Champ de Mars, une large représentation du peuple français. Le peuple... Et là, tous ensemble, mes amis citoyens, mes amis élus, le peuple vous demande, à vous, président de la République, de suspendre sans délai le projet de loi de mariage
et adoption pour tous qui divise profondément les Français. Le peuple vous demande aujourd'hui de convoquer des états généraux de la famille, du mariage, de la filiation et des droits de l'enfant dans un geste de réconciliation nationale et de recevoir dès demain à l'Élysée ceux que les Français envoient pacifiquement devant vous.